Et on a pu avoir la mise en place des premiers équipements durables, donc ce qui est une bonne chose. C'était vraiment une phase de découverte. Maintenant, on y est toujours, mais il va falloir appuyer le développement. Et puis c'est le cas, c'est ce qui est actuellement mis en place. Donc avec le développement de nouvelles actions par de nouvelles structures, on a beaucoup de clubs qui commencent à se mettre au badminton, qui commencent à se mettre au badminton, à mener des actions. Il va y avoir beaucoup d'actions très intéressantes menées, que ce soit en QPV, je pense aux actions menées à Cholet ou par Orléans, des actions en ZRR, des participations à des événements à l'image de ce qui va se passer à Toulouse Plage cet été. Donc il y a pas mal de choses intéressantes qui sont faites par nos clubs, des choses variées et qui vont permettre aux licenciés et aux non-licenciés d'ailleurs, à tout le monde de découvrir ce qu'est le Airbad. Donc ça va être vraiment un été intéressant. Il y a aussi, on peut noter, la mise en place de plus en plus de tours qui sont organisés par les ligues et les comités qui vont vraiment permettre d'aller sur le territoire et de faire profiter à de nombreux joueurs badistes de découvrir et commencer à pratiquer le badminton avec la volonté également de mettre en place quelques petits tournois donc amicaux encore aujourd'hui. Donc sur la carte qu'il y a sur la droite, voilà, c'est un peu le bilan de tout ce qui va se faire en France sur cette année 2020. Et enfin, oui, je n'ai pas précisé la légende, mais donc toutes les petits points jaunes, ça représente des actions qui vont être menées par les clubs, donc des actions ponctuelles. Tout ce qui va correspondre au point bleu, ça va être la mise en place de tours, donc par les comités et les ligues. Et enfin, les points verts correspondent à la mise en place des équipements durables qui commencent donc un peu partout donc en France. Donc vous voyez, c'est pas forcément réservé aux endroits type plage, etc. Donc il y en a à Mulhouse, il y en a dans proche de la banlieue parisienne, à Chartres, il y a un terrain handball qui a été acheté par la collectivité. Donc voilà, le badminton, ça se prête partout, dans tous les endroits. Pour enchaîner, au niveau des aides que la Fédération française de bad a mis en place, d'abord je vais évoquer donc les terrains durables, c'est-à-dire les terrains handball et les terrains beach. Donc les deux, l'aide fédérale arrive donc sur la base d'une convention qui va être signée entre la collectivité et la FFBAD. Le but de cette convention, c'est de préciser les termes du soutien financier et matériel de la Fédération française de bad, mais aussi de faciliter le partenariat entre la structure qui va mettre en place le projet et la collectivité. Donc, c'est-à-dire que cette convention va suivre une annexe qui va permettre de définir des créneaux prioritaires d'utilisation pour le club et éventuellement le comité et la ligue sur les terrains qui vont être installés. Donc le terrain, voilà, il va être acquis par la collectivité, donc sous réserve, voilà, bien sûr, de la convention et de la facture du terrain. Il va y avoir une aide correspondant à 80% du prix hors taxe du terrain qui va arriver, donc pour un montant maximal de 5 000 euros. Donc là, on est bien sur ce qui concerne les terrains d'Halles. Pour avoir un meilleur indicatif au niveau des coûts, le prix TTC hors transport pour un terrain d'aide, il va s'élever à 5 600 euros, tandis que l'aide fédérale, voilà, va atteindre environ 3 700 euros, sachant que les poteaux et filets sont fournis par la FFBAD. Au niveau des terrains beach, donc là encore, on garde le même type de convention avec l'annexe qui va bien préciser les créneaux d'utilisation pour les structures fédérales. Là, deux options s'offrent aux collectivités. Soit elle peut concéder cette construction de terrain à une société, dans quel cas le coût des travaux total est estimé entre 12 et 15 000 euros et la FFBAD pourra participer à hauteur de 9 000 euros maximum sur la facture hors taxe.
Mais il y a aussi de la possibilité pour la collectivité de réaliser le terrain par elle-même. Dans ce cas-là, l'aide fédérale s'élèvera à 3 000 euros hors taxes, et ce qui va correspondre à l'acquisition donc des bordures rétréversibles, la colle, le transport, le sable, le film géotextile qui est nécessaire, enfin toutes les composantes qui vont faire le terrain, en sachant que, bien sûr, comme pour les terrains en dalles, l'ensemble poteaux, filets et lignes sera fourni par la FFBAN. Au niveau du gazon cette fois, donc les kits gazon peuvent être fournis directement cette fois aux structures fédérales par la FFBAN sous réserve de la présentation d'un projet. Donc c'est important pour nous d'avoir un peu de visibilité sur ce qui va être organisé avec ces kits gazon. Donc, par ailleurs, la plupart des animations qui vont avoir lieu cet été par les clubs et éventuellement comité ligue vont se faire à travers l'utilisation de ces kits. Donc, pour cela, pour en bénéficier, alors voilà, donc pour en bénéficier, voilà, ça va être sous réserve donc voilà de la présentation d'un projet. Donc vous pourrez me contacter par mail pour qu'on puisse discuter de tout cela et élaborer justement un plan pour ces kits. Au niveau des objectifs et des enjeux autour du Urban, donc l'objectif pour la fin d'année 2020, c'est de promouvoir l'acquisition et la création de terrain de Urban Minton pérenne. C'est-à-dire que aujourd'hui, on bénéficie donc d'une enveloppe pour développer le Urban Minton qui va se terminer à la fin de l'année. Donc c'est vraiment une année idéale pour mettre en place ce type de projet. Et c'est une opportunité à saisir pour suivre le développement qui a été engagé par la BWF et la FFBAD. Pour les clubs, ça va être, enfin pour les structures fédérales, ça va être l'occasion de proposer de nouvelles offres de pratique aussi, que ce soit compétitive ou loisirs, qui va permettre d'attirer éventuellement de nouveaux joueurs qui seraient potentiellement séduits par la pratique ou qui auraient, voilà, ça offre quelque chose de nouveau en fait vraiment aux joueurs. Et ça peut permettre vraiment d'avoir un nouveau public qui sera plus attiré par cette pratique extérieure. Mais voilà, donc on reste avec le Irvington, on reste dans un sport. Donc évidemment, il y a le développement d'une pratique compétitive qui va être étudiée pour pouvoir organiser dans un futur à court ou moyen terme vraiment un circuit sur le Urban Minton et qui va permettre donc au club de fidéliser les licenciés par rapport à une nouvelle pratique compétitive et un nouveau classement, l'établissement d'un nouveau voilà, d'un nouveau format compétitif. Pour les clubs, ça va être aussi l'occasion de travailler en partenariat avec les collectivités et de participer au développement de la politique sportive locale. La mise en place, notamment grâce à l'aide, ça va être vraiment une relation gagnant-gagnante entre la collectivité et les structures fédérales, dans le sens où la collectivité, à travers les terrains du pérenne, pourra bénéficier d'équipements pour un coût réduit, finalement, grâce aux aides financières et matérielles de la FFBAD et du côté du club des comités ligues. Cela permettra voilà, de bénéficier d'un équipement pour lequel ils auront la priorité d'utilisation. Donc, ça va être très intéressant. Et sur un point de vue un peu plus technique, les règles techniques, justement, vont être présentées à la SERFRED bientôt pour pouvoir voilà vraiment tout officialiser au niveau technique voilà pour moi ça, bon, voilà merci pour votre écoute et je vais laisser la parole du coup à Cédric qui va justement vous parler directement voilà, de la mise en place d'un projet comme il a pu l'encadrer à Salbris. Alors bonsoir à tous, j'espère que le diapo ça marche. Si tu peux me confirmer éventuellement Louis. Alors. Ouais, c'est bon, ça marche. On a bien fait de répéter. Donc ça va être assez rapide. Donc je suis Cédric Grosjean, je suis en charge de la stratégie et du développement de la Ligue de badminton Centre-Val-de-Loire et je suis à titre personnel
un licencié depuis mes débuts dans le badminton, depuis un certain temps au club de badminton de Salbris. Je vais juste vous présenter en fait là, très, très rapidement un peu la démarche donc, et le contexte du déploiement du Air Badminton sur la ville de Salbris, qui est une ville d'un peu plus de 5000 habitants dans le Loir-et-Cher, en région Centre-Val-de-Loire. Les objectifs qu'il y a derrière, à la fois pour le club, mais aussi pour la ligue avec ce type d'implantation, et puis les actions qui sont envisagées, que ce soit à court terme comme du plus long terme. Alors le contexte sur Salbris, en fait, c'est un club qui évolue depuis plus de 20 ans à l'échelon national, avec plusieurs années en National 1, et actuellement le club évolue en National 2. C'est une ville assez sportive depuis un certain temps, donc pas mal d'équipements sportifs, mais pas d'équipements couverts de gymnase avec des hauteurs libres de tout obstacle suffisamment intéressantes. Vous allez voir pourquoi je parle de ça tout à l'heure. Donc, ce qui fait que ce club-là joue depuis un certain temps avec une dérogation à l'échelon national, puisque sa meilleure salle, au mieux, enfin en tout cas, il y a 7,04 m au plus bas sur la salle. Donc voilà, ça demande dérogation pour l'échelon national. Donc, ça fait un certain temps que ce club essaye de militer pour avoir un équipement couvert un peu mieux, pour permettre, entre autres, une pratique à un niveau national et puis reconnaître un petit peu l'engouement de cette pratique localement. Alors, pour resituer le contexte, en fait, au Salon des maires en novembre dernier, Pascal Perrault a discuté en fait, avec le directeur des sports de la ville de Salbris, M. Bourgeois, et ils ont discuté de cette histoire de gymnase. Tiens, Pascal a évoqué le fait qu'il y avait peut-être la possibilité d'être soutenu pour ce type d'équipement sportif couvert, et puis il a glissé aussi de manière subliminale ou pas. Le fait qu'il y avait aussi le déploiement du air badminton et donc la pratique du bad en extérieur et qu'il y avait des aides assez fortes de la part de la municipalité, de la Fédé vis-à-vis des collectivités qui souhaiteraient se lancer là-dedans. Du coup, en revenant, le directeur des sports, je l'ai croisé par hasard en ville quelques jours plus tard et puis il m'a parlé un petit peu de tout ça, donc ça a germé puis ça. Ça allait dans le sens un peu du club qui, depuis de nombreuses années, essaye de militer mandat après mandat pour essayer d'avoir petit à petit la construction d'un équipement, on va dire, fortement orienté pour le badminton. Tout ça débouche sur un rendez-vous donc en fin d'année 2019, en mairie, avec le premier adjoint de la municipalité, avec le directeur des sports, avec Pascal Perrault, avec le président du club et puis moi-même. Donc au départ, la discussion s'est plutôt lancée sur un gymnase orienté badminton avec... tout l'argumentaire utile pour ça. Alors, peut-être pas forcément un 9 terrains, mais peut-être un 6 terrains très, très orienté. Bon, contexte d'élection municipale sur les semaines qui suivent. Le premier adjoint, pas hostile, hein, mais voilà, sent bien que ça va être compliqué de faire passer ça sur une fin de mandat. Et donc, voilà, c'est l'équipement couvert voilà, est un peu mis de côté. Par contre, les équipements en extérieur, les dalles plastifiées notamment, suscitent un intérêt assez important de la part de la municipalité, tant du directeur des sports que du premier adjoint. Tout ça parce que la ville, l'équipe dirigeante en place, a envie aussi de faire des choses sur un des emplacements de la ville, à côté de la piscine municipale, qui est maintenant intercommunale d'ailleurs, et qui est en reconstruction. Ils ont envie de redynamiser un petit peu ce secteur-là, donc un terrain de foot, un terrain de rugby, donc c'est un peu un grand complexe sportif, on va dire, sur la ville. Et il y a des anciens courts extérieurs de tennis qui tombent petit à petit en désuétude. Et l'idée, c'est peut-être de réaménager tout ça. Pardon. Donc, ils ont déjà mis des appareils de fitness en accès libre sur un ancien court de tennis. Et là, ils se sont dit, tiens, il y a peut-être une opportunité pour développer le bad en extérieur. Donc, l'appui du club, un club qui est assez reconnu au niveau du badminton localement. L'appui, évidemment, de la fédération via Pascal Perrault pour expliquer un petit peu les enjeux et puis surtout les aides qui ont été présentées par Louis tout à l'heure. Et là, voilà, le premier adjoint n'hésite pas trop, voyant qu'il n'y a que quelques milliers d'euros à mettre sur la table. Ça fait une nouvelle activité. Donc, voilà, tout le monde est plutôt partant. Et on se retrouve finalement quelques semaines plus tard à ce que la mairie délibère, je crois, à l'unanimité, le fait d'acheter, enfin de faire l'acquisition de 3 terrains sur dalle de Air Badminton sur un ancien court ancien court de tennis. Donc la convention est signée entre la Fédé, la mairie et le club. Et puis les objectifs qu'il y a derrière, à l'échelon local pour le club, c'est évidemment de jouer en extérieur en complément de la pratique en salle. Hein. Le but, c'est quand même de rester en gymnase, d'avoir un max de créneaux. Mais cette idée de jouer en extérieur avec des terrains propres au badminton, c'est quand même un vrai plus, sachant que cette décision a été actée avant l'épidémie que l'on connaît actuellement. Donc voilà, c'est un plus, mine de rien.
L'idée, l'objectif, c'est aussi de faire découvrir le badminton vraiment au grand public localement et puis d'intégrer le badminton tour de la Ligue qui était prévu avant l'épidémie aussi. À l'échelon Ligue, là, si je prends ma casquette Ligue, l'idée, c'est aussi à travers ce type d'acquisition. Donc, Louis évoquait le fait qu'à Chartres, il y avait déjà un terrain sur dalle qui avait été acquis par la collectivité. Donc là, en fait, ça fait deux sites, Salbris plus Chartres, qui ont un ou plusieurs terrains en dalle. Donc, bah, ça peut donner l'envie déjà de promouvoir le bad au plus grand nombre. Et puis aussi, pourquoi pas organiser à terme un circuit davantage porté sur la compétition en période estivale, comme d'autres disciplines pourraient le faire. Alors, plus concrètement, sur les actions qui sont menées, donc là, à très court terme sur cet été, il faut savoir que les terrains en dalle ont été livrés la semaine dernière, qu'ils vont être montés par le personnel municipal, le service technique, normalement d'ici une bonne semaine. Donc, début juillet, grand max, les trois terrains seront disponibles. Donc là, il y a des séances en extérieur pour les licenciés du club, selon la météo, qui seront mises en place, en complément des créneaux en gymnase qui, normalement, devraient être conservés durant l'été. Les licenciés ont évidemment très envie de jouer, hein, donc après 3 mois sans pouvoir le faire, donc c'est un plus. Il y a aussi des animations qui vont être calées vraiment pour le grand public. Donc ça, c'est pareil, c'est défini dans la convention tripartite Fédé, Mairie et Club. Et puis aussi la réception d'une étape du Urban Badminton Tour lancée par la Ligue, nous sera plutôt courant août. Là, si on se met avec la vision Ligue régionale, donc là, pour cet été, on est plutôt sur l'organisation d'étapes du Urban Badminton Tour partout dans la région. Donc, il y a des dates là qui sont en train de se caler un peu partout. L'idée, c'est d'avoir au moins une à trois étapes par département. Et puis, notamment, peut-être dans certains territoires ruraux, ou en tout cas des clubs qui ne sont peut-être pas forcément les plus gros clubs de notre région. Et donc, voilà, il y a quelques coins ciblés. Je pense à Orgères-en-Beauce, donc en Eure-et-Loir, où voilà, c'est des clubs qu'on voit un peu moins, mais je pense que c'est important en tant que ligue et en lien avec le comité départemental d'Eure-et-Loir qui va lui aussi mettre en place des actions, d'être présent sur ces clubs-là et essayer de mailler le territoire au maximum. Donc on va dire de début juillet jusqu'à fin août, on devrait avoir une bonne quinzaine de dates calées, au moins pour cet été, pour lancer les actions. J'en profite pour remercier la Ligue PACA Corse de badminton, puisqu'on s'est fortement inspiré de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont mis en place il y a plus d'un an. Donc on a un peu moins de plages, mais on va essayer de faire au mieux et on aura du soleil évidemment dans notre belle région centrale de Loire. Sur les actions à plus long terme, donc avec l'horizon des Jeux 2024, là l'idée c'est de mettre en place pour nous des actions qui puissent nous permettre d'être hyper pro dans notre démarche et être vraiment parfaitement prêt pour un éventuel engouement pour la pratique sportive, notamment du bad, à l'horizon 2024. Donc sur le club de Salbris, en fait, il y a des séances en extérieur qui continueront à être menées sur une très large période estivale. Hein. On pourrait même aller de quasiment mai jusqu'à fin septembre, début octobre, suivant la météo. Donc pour les licenciés de manière générale, pour faire un complément, prendre l'air et puis varier un petit peu avec la pratique en gymnase. Continuer des animations pour tout le public, une offre pour les touristes, une offre peut-être pour les jeunes, ceux qui sont en centre aéré, occupés utilement, on va dire, les personnes qui ne partiraient peut-être pas en vacances. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir des terrains qui sont définitifs et qui sont spécifiques badminton en extérieur. Donc c'est un vrai atout, sachant que, j'ai oublié de dire, mais il y a aussi de l'herbe et avec les terrains de foot ou de rugby qui sont à côté. Voilà, il y a aussi de la pelouse et on peut compléter avec quelques kits pour jouer sur herbe si vraiment il y a besoin de faire un truc d'une plus grosse ampleur. Toujours continuer si possible la réception d'une étape du Urban Badminton Tour de la Ligue. Organiser à terme aussi une compétition de Air Badminton. Donc bah, peut-être, alors cet été ça va être chaud, ça dépendra des possibilités avec le protocole sanitaire, mais je pense dès l'an prochain en tout cas il y a moyen de faire des choses. Et puis Lucas Mazur qui est licencié au club de Salbris bah, en 2021 et puis j'espère 2024 aussi pour lui qui brillera fortement. Ça permettra de faire, si les moyens techniques le permettent, de diffuser ses matchs lorsqu'il sera sur les Jeux paralympiques fin août, début septembre 2021. Et donc de faire d'une pierre deux coups, de diffuser les matchs à proximité éventuellement des terrains et de permettre aux gens de jouer en même temps. Voilà, ça serait bon en tout cas. Presque en même temps. Je vois des messages. Oui, j'ai parlé plusieurs fois de Pascal Perrault. Pascal Perrault, qui est DTN adjoint en charge des territoires, si je dis pas trop de bêtises. Mais comme il doit être sur le webinaire, je pense qu'il pourra prendre la parole à tout moment s'il le souhaite.
J'ai bientôt fini. Donc, pour les actions de la Ligue, en fait, l'idée, c'est de faire monter en puissance le Air Badminton Tour, mais vraiment partout dans la région, donc avec quasiment une étape par jour sur l'été 2021 et jusqu'à l'été 2024. Vraiment mailler le territoire et être présent partout, partout, que les gens voient du badminton en extérieur sans arrêt. Éventuellement, avoir la possibilité de repli en intérieur si la météo est vraiment capricieuse. Développer aussi sur l'été la pratique sur des zones où il n'y aurait pas d'équipement du tout. L'idée, c'est pas de remplacer la pratique en gymnase, évidemment, par le herbe, enfin, par la pratique en extérieur, c'est de d'avoir un complément et d'avoir la possibilité de jouer, notamment en milieu rural, voilà, sur des zones où il n'y a rien aujourd'hui de manière couverte et où ça permettrait au moins de faire parler du badminton et, si possible, de pouvoir attacher ça avec des villes où on a des clubs à proximité. Ça permettrait de mettre du lien. Donc ça, c'est au niveau ligue, mais je pense que c'est aussi en concertation avec les comités départementaux et éventuellement les clubs qui seraient intéressés pour soit avoir des antennes, soit faire le lien une fois que les nouveaux pratiquants auront essayé. Et puis, donc ça rejoint les objectifs de la fédération, l'organisation à très court terme d'un circuit compétitif Air Badminton sur la période estivale, de manière à, on va dire, avoir très peu de moments où on parle pas trop de badminton. Voilà, c'est aussi prendre l'air et se montrer comme je pense la plupart des autres disciplines le font. Voilà un petit peu l'idée. Dans le même cadre, hein, c'est faire la promotion aussi de la licence estivale. Donc cette année, c'est un peu juste avec le corona et tout, c'est pas évident, mais je pense que d'ici 2021 jusqu'à 2024, ça devrait monter en puissance. On peut aussi envisager l'animation de différents stages, hein, pour vraiment des publics très très variés en lien avec les comités et les clubs si besoin. Et puis le dernier aspect du Air Badminton qui, moi, me semble intéressant, c'est le partenariat avec le monde de l'entreprise. Alors ça peut être sur la période estivale, mais ça peut être quasiment tout le temps. C'est-à-dire, c'est amener du badminton un petit peu partout, soit sur le site de l'entreprise, au sein de l'entreprise, et puis peut-être montrer notre professionnalisme pour faire différentes actions sur des séminaires, du team building, faire des séances de découverte, d'initiation pour les salariés de l'entreprise. Et puis, à terme, nouer différents partenariats ou des prestations. Donc, pour nous, il y a un enjeu fort là-dessus. Et je sais que j'ai des collègues dans les comités départementaux, je pense au Loiret notamment, qui a déjà des actions autour de cette pratique en extérieur pour faire du lien avec le monde de l'entreprise. Donc, il y a aussi ça à prendre en considération, selon moi. Voilà. J'en ai fini. Très bien, merci Cédric. Donc on va passer au temps de questions-réponses. Donc j'ai plusieurs questions qui sont déjà arrivées par le biais de la messagerie. On va les prendre dans l'ordre chronologique, hein, du questionnement. Donc une première question de Cyril. Lorsque la discipline sera bien installée et bien réglementée, les OT devront-ils faire une formation pour officier sur d'éventuelles compétitions? Bonne question. Alors, t'as pas ton micro d'allumé, Louis. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Pascal a dit. Oui. Donc je vais répondre en alternance avec Louis, comme ça permettra d'aller à l'essentiel. Bon, il est un peu tôt pour répondre à cette question. On n'est pas encore sur la définition des modèles compétitifs. Donc avant de parler d'officiel, on va déjà commencer par rédiger les compétitions qui se dérouleront, du moins cette année, en préambule, et puis qui seront validées ensuite par la fédération. Et viendra le temps, bien évidemment, des officiels techniques. Et la BWF, de toute façon, va faire un circuit d'expérimentation en France. Donc tout ça, va s'enquiller dans les mois et les années qui viennent. Donc il n'y a quand même pas le saut là. Le tout, c'est dans un premier temps de faire découvrir l'activité, le nouveau sport qu'est le air badminton. Et puis cela viendra dans un second temps. Merci. Deuxième question. Alors, niveau raquette, alors une question matérielle. Niveau raquette, tension, cordage identique. Donc, est-ce qu'on tend pareil pour le air badminton que pour le badminton en salle? Et où se procurer le matériel?
Alors, à ce niveau-là, au niveau du volant, donc des retours qui ont été faits, c'est vrai qu'il va être un peu plus lourd, donc il va falloir être un peu plus attentif au cordage. Après, au niveau du matériel, du coup, on utilise c'est la même raquette que pour le badminton, c'est juste au niveau du volant. Pour se le procurer aujourd'hui, le mieux, c'est de passer directement par les fournisseurs officiels qui sont tous affichés sur le site de la fédération et de la BWF, où vous retrouverez tous les contacts et l'accès au site pour les commander. À savoir que au niveau des livraisons et de la disponibilité de ces volants, elle n'est pas partout pareille en fonction des fournisseurs. Donc il faut bien veiller à ça quand vous souhaitez passer commande pour être sûr de les recevoir le plus tôt possible. Question pour Louis, ça fait partie de l'intervention que tu as faite. C'est quoi une bordurette réversible? Alors ça, oui, c'est un peu plus technique, pour la mise en place donc des terrains beach. Il y a selon le cahier des charges, voilà, il y a des petites bordurettes qui vont venir entourer le terrain et pour mettre le terrain pour que le terrain soit entièrement aux normes. Mais je pense que Pascal, tu as Ce sont des bordurettes plastifiées pour la sécurité des pratiquants, c'est-à-dire que si quelqu'un tombe et se cogne la tête sur la bordurette, c'est plutôt mou et donc ça va amortir le choc. C'est pour ça qu'on est attentif à la sécurité du air badminton. Ok, merci. Alors, je fais des manips hein, entre les questions qui arrivent et celles que j'ai déjà eues. Donc, le air badminton étant une discipline à part entière, un club de badminton affilié à la FFBAD est-elle couverte en cas de blessure sur une activité air badminton pour leurs adhérents? Oui, pour les adhérents, tout est OK, les licenciés, donc ça fait partie de la couverture fédérale. Ok, une question de Fabrice. Existe-t-il des contraintes à l'installation de terrain, donc protection du vent notamment? Alors, bien sûr, ça va être toujours plus intéressant d'installer les terrains dans un endroit plutôt couvert, bien que le vent, voilà, ça fasse. On est sur une discipline extérieure, donc il fait partie intégrante quand même du jeu. Il amène un peu d'incertitude, mais c'est toujours mieux si, enfin, on aura plus de créneaux de jeu si on est un peu couvert. À ce niveau-là, il faut faire porter une attention à l'endroit, à l'emplacement où on l'installe. Après, il y a possibilité également de mettre des aménagements comme ça a été fait avec la mise en place de brise-vent végétalisés, par exemple, qui sont proposés par certaines sociétés, qui vont faire barrière en fait et bloquer le vent généré, et ce qui permettra d'avoir plus de créneaux de jeu en fait. Merci. Une structure privée peut-elle également bénéficier de la participation fédérale à hauteur de 80%? Une photo est filée. Non, c'est uniquement pour les structures affiliées à la FFBAD. Et les collectivités Et les territoriales. collectivités, bien sûr. Question de Cyril à nouveau. Qui est responsable si des jeunes envahissent les terrains extérieurs en dehors des horaires prévus et se blessent? C'est un équipement municipal, voilà, ça va être leur propre responsabilité. Il faut prendre ça, voilà, vraiment comme un terrain de basket ou un city park. Ça reste un équipement municipal. La FFBAD va avoir, voilà, juste quand ce seront ses créneaux et qu'elle va y officier des activités qu'elle aura organisées, où elle aura de la responsabilité. Est-ce que l'on peut jouer sur des terrains démontables? Alors les kits gazon sont justement des terrains qui sont destinés à être mobiles. Ils sont assez rapides et faciles à installer. Et justement, ça va permettre de mettre en place des terrains pour la journée, par exemple. Au niveau DAL et Beach, il n'y a pas encore de solution démontable. Cependant, au niveau voilà, des kits gazon, ils sont conçus justement pour être mobiles. Là-dessus, pas de souci. Et combien de temps pour installer ces terrains démontables? Alors, on est à environ une petite dizaine de minutes, je crois. Pascal, tu peux confirmer? Ouais, c'est ça. Oui. Ok. Alors, j'enchaîne.
Est-ce que j'ai des questions qui arrivent Donc c'est encore? équipe d'ailleurs démontable qui arrive avec poteau, filet et ligne, bien entendu. Faut-il un encadrant diplômé lors des séances ouvertes au public sur des plages ou dans les parcs ou lors des actions tout public? Bah forcément, ça va être mieux d'avoir enfin, quelqu'un ouais, diplômé pour encadrer la pratique, notamment quand voilà, ça va être des personnes qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément des badistes de base. Après, ouais. Bah, au même titre que dans les cours de club de badminton en intérieur, à partir du moment où c'est le club qui encadre, le mieux c'est quand même d'avoir des animateurs, alors diplômés fédéraux ou autres. Mais voilà, le tout c'est qu'il y ait quand même des animateurs. Il y a une question encore sur les. Moi, qui vient juste d'arriver sur où trouve-t-on les kits démontables dont tu as parlé? Alors, Il y a quelqu'un qui a un micro. Attends, Louis, il y a quelqu'un qui doit avoir un micro ouvert, il y a des bruits de fond. Donc, si vous pouviez vérifier. C'est bon. Du coup, au niveau des kits donc gazon, alors la FFBAD peut vous en doter, donc sous réserve d'un projet fourni à que vous allez que vous pouvez remplir à travers un formulaire. Donc pour cela, il faut me contacter directement et on pourra discuter justement de ce projet. Donc la FFBAD en fonction du projet pour vous doter de un ou deux. Autrement, pour le passer directement par l'achat de ces kits, ça se passe avec le fournisseur Nous en Sport. Ok, j'ai été éjecté. Hein. Donc, j'ai un bout de la conversation qui a sauté, donc je sais pas. Allô? Bon, après, il y a quelques questions qui, si je peux juste regarder quelques questions qui sont sur le fil de conversation. Je vois dans le cas d'un terrain installé à demeure, donc sur les dalles par exemple, l'ensemble poteau filet reste-t-il en place en permanence? C'est une question de Rémi qui pose des questions notamment par rapport au risque de vandalisme ou de dangerosité. Alors à ce niveau-là, donc les poteaux filets, donc ça peut être, il y a deux options, soit donc on a des poteaux lestés classiques. Après, selon le montage, selon la surface sur laquelle le terrain est installé, il y a possiblement il y a une possibilité de mettre des poteaux avec fourreau pour vraiment qu'ils restent en place. J'ai eu un souci de connexion à nouveau. Il y a des intempéries là autour de. Ouais. Ça grêle. Ouais, écoute. Il y a Bah, Pauline qui apparemment avait. Pardon, Pascal. je voulais rajouter quelque chose sur les terrains permanents. Là, je dirais que c'est un peu le choix de chaque collectivité. Il y a des collectivités qui font le pari. Alors d'abord de sceller parfois les embases des poteaux. Qu'ils soient à vissés ou qu'ils soient à fourreaux. Et puis d'autres qui prennent le choix de dire ben, je laisse les poteaux et puis on verra bien. Là, c'est libre cours à la collectivité de voir comment ils veulent procéder. Juste pour témoigner par rapport à ça, le brief qui était prévu, en fait, comme c'est un ancien court de tennis, notamment extérieur, en fait, il y a encore le grillage qui entoure le court, ce qui fait qu'il est un peu protégé. Et normalement, il y aura une clé à disposition. Là, c'est pour qui sera remis au club. Après, je ne sais pas, sur une. Je suppose que la municipalité, en dehors des créneaux officiels du club cet été, peut-être qu'ils laisseront la porte ouverte, parce que je ne vois pas un gardien de la mairie reste en permanence à côté de la porte, donc je ne sais pas quelle organisation encore ils vont trouver, mais j'imagine qu'il y aura un petit peu de sécurité, que ce sera probablement fermé le soir. Et voilà. Bon, après, ceux qui veulent vandaliser, de toute façon, pourront toujours enlever le grillage si vraiment ils n'ont pas d'autres bêtises à faire, mais bon, il n'y a pas de risque zéro, c'est sûr. Alors, je voudrais intervenir sur la question qui est posée sur le risque de la mairie diminuer le nombre de créneaux au club
en compensant par du air badminton. Alors, j'essaye de faire partager ce message à qui veut bien l'entendre depuis le lancement du air badminton. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai présenté le dossier aux élus de la fédération. Le air badminton, ce n'est pas du badminton en extérieur. Or, le air badminton, et je pense qu'il faut bien entendre ce message et le retransférer en l'état, c'est un nouveau sport qui en effet se rapproche du badminton, mais qui n'en est pas. Nous n'avons ni les mêmes dimensions de terrain, ni les mêmes règles du jeu, et pour le moment, ce n'est pas olympique. Donc, ça ne peut pas se substituer au court et au terrain en intérieur. En revanche, c'est une nouvelle activité en extérieur qui vient en complément, et Cédric l'a bien dit tout à l'heure, c'est comme cela qu'il faut le présenter et évidemment garantir cette qualité du air badminton et pas du badminton en extérieur de bricolage. Je me bagarre avec ça, il faut que le air badminton, ce soit une pratique de qualité en extérieur et pas un truc de baltringue. Tu veux qu'on continue à lire les questions, Vincent, ouais, peut-être? Vincent. Je veux bien parce qu'en fait, je suis éjecté de la salle et Teams se ferme. Donc, j'ai un problème de réseau. Donc, si je suis à nouveau éjecté, vous pouvez même clôturer parce que j'ai absolument rien entendu des derniers échanges. Ok. Il y a pas mal de personnes qui posent des questions. Alors, c'est plus, je pense, en lien avec la communication sur où trouver les règles du jeu spécifiques du air badminton, ce genre de choses. Voilà, je vois qu'il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si Louis me confirme. Alors, ouais, si. Alors, à ce niveau-là, tout est indiqué sur le site de la FFBAD et sur le site de la BWF qui a une page dédiée au air badminton et qui est en plus traduite en français. Donc là-dessus, pas de souci. Tout y est bien précisé, que ce soit au niveau du comptage de points, du service, etc. Il y a une question de Richard, ça, peut-être que alors, Pascal. J'insiste quand même sur le fait que, quand bien même le air badminton a été porté et validé par la BWF, j'attire l'attention de tout le monde sur le fait qu'en France, le air badminton est différent de ce qui est présenté par la BWF. Je précise, par exemple, que pour les compétitions, par exemple, la BWF ne valide que sur le beach. Nous validons des compétitions sur gazon, sur dalle et sur beach. Donc, ce que je voudrais faire partager comme message ce soir, et c'est pour ça qu'on va déposer des règles techniques à la CERFRES en tant que Fédération Olympique délégataire, c'est les règles techniques qui s'appliquent en France. À partir de là, il faut avoir comme idée et comme réflexion, d'abord le flyer que nous avons édité, donc il y en a encore un certain nombre au siège de la fédération, donc n'hésitez pas à les demander à Louis, il fera un plaisir de vous les envoyer, et pour que justement on diffuse ce maigre moyen de communication que nous avons réussi à faire. Donc il y a un Richard Catrou qui pose la question sur s'il s'agit d'un nouveau sport, est-ce qu'il faudra donc une nouvelle licence différente de la licence FFBAD? Non, ça reste la FFBAD donc, qui va s'occuper du air badminton, donc toute la licence FFBAD classique, et c'est OK. Et la licence estivale, puisque licence estivale qui prend le relais de la licence classique à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. C'est ça. Après, il y en a qui posent des questions sur où faire des séances de découverte et s'il est possible de jouer sous la pluie. Alors, jouer sous la pluie, ça va être compliqué. Ça risque pas d'être des conditions très adéquates pour jouer au Airbad.
Après, pour donc toutes les séances de découverte, donc en fait, elles vont être organisées donc partout dans chaque club, les ligues aussi à travers leur tour, donc ils vont communiquer dessus. Après, on pourra éventuellement voir avec la communication fédérale pour essayer de relayer les lieux où c'est possible, où il est possible de venir découvrir le Airban. Après, je vois qu'il y a deux questions qui sont, enfin, qui se chevauchent quelque part. Donc, DJ ou DJ, je ne sais pas, n'y a-t-il un risque que la mairie diminue le nombre de créneaux au club en compensant par du Airban? Donc, ça reprend un peu ce qu'évoquait Pascal. Donc, c'est une question de présentation et effectivement, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir une déviance qui dirait, bah, vous faites du BAD, le BAD maintenant on peut jouer en extérieur et du coup, sur la saison classique scolaire, vous allez jouer dehors et vous allez plus prendre les créneaux d'autres sports à l'intérieur. Donc, effectivement, il faut. Faut être solide là-dessus et je sais que parfois certains élus, notamment, ont cette crainte-là. Moi, je suis pas du tout inquiet là-dessus. C'est effectivement deux pratiques différentes, mais voilà, faut être solide sur ses acquis et voilà. Et c'est pour ça que ça ne supporte pas l'ambiguïté avec le badminton en extérieur. J'insiste lourdement, mais je pense que c'est un des sujets majeurs pour le déploiement du Airbad. Si on parle de badminton en extérieur, je pense qu'on va se tirer une balle dans le pied tout seul. Donc j'insiste, le Airbad est un nouveau sport en extérieur. Voilà, l'image du volleyball et du beach qui sont deux sports à part entière, même s'il y a des ressemblances évidemment, mais ce n'est pas les mêmes règles et on ne joue pas exactement pareil. Voilà. Et à l'inverse, le club de Saint-Gratien qui évoque pour notre part, on va appuyer la demande en argumentant que l'on n'arrive pas à obtenir plus de créneaux. Alors c'est peut-être pour certains, pour la période estivale, je sais qu'il y a des collectivités qui font le choix de ne pas ouvrir les gymnases, donc peut-être que pour certains, ça peut être un complément de pratique. Ça a creusé. Bon, après, chacun a son projet aussi, hein, en lien avec ça. Et ce n'est pas que le airbad, c'est le bad en général. Et après, je vois qu'il y a quand même pas mal de demandes là sur peut-être des vidéos, des tutos. Alors, soit relayer ce qui se fait sur la BWF ou voilà, des démos qui seraient disponibles sur le jeu à 3 contre 3. Alors, pour la règle du jeu de 3 contre 3, j'ai lu un petit peu vite fait la BWF. Si j'ai bien compris, on n'a pas le droit, quand on est à 3, de taper deux fois de suite le volant. Donc, c'est un petit détail, mais bon, après, ça. Voilà. Il faut distinguer la pratique compétitive, je pense, aussi de la pratique de détente, un peu comme le bad classique gymnase. Je dis ça parce que j'ai eu des questions, enfin, rien à voir avec le webinaire, mais sur des personnes qui disaient, oui, mais j'ai quelqu'un qui n'arrive pas bien à servir, ça fait loin d'avoir les 3 mètres plus 2 mètres pour envoyer le volant. Bah, évidemment, comme tout animateur de club, on va adapter la pratique pour que les personnes soient en réussite au airbad, comme on a envie qu'elles soient en réussite sur le bad classique. Donc voilà, il y a les règles du jeu qui s'apparentent à une pratique plutôt compétitive, même si les choses restent à peaufiner. Et puis, il y a le plaisir de la pratique pour le plus grand public, où on peut s'amuser de manière différente. Donc, il faut peut-être distinguer aussi les deux suivant le type d'action que l'on projette. Je voudrais répondre sur la question sur les dalles. Les dalles plastifiées, donc les dalles plastifiées doivent être posées sur un revêtement solide, alors que ce soit du goudron, du béton, mais qui est relativement plan. Et une fois que ces dalles sont installées, on ne les démonte plus, ou du moins si on les démonte, c'est très très rare, de telle manière à ne pas casser les accroches plastifiées. Donc pour l'hiver, il suffit de mettre une bâche dessus pour le protéger, mais on ne démonte pas systématiquement. D'abord, ce serait très laborieux et ça n'a aucun intérêt. Et il suffit plutôt que de le protéger pour l'hiver. Oui. Pour te compléter, Pascal, c'est l'équipement d'alpe, c'est vraiment un équipement qui est pensé pour être en extérieur et dont l'entretien aussi est quand même assez simple. Donc, les recommandations, voilà, c'est une fois par an et éventuellement voilà, balayer les dalles et passer à un nettoyeur haute pression. Et ensuite, tous les 3 à 5 ans, en fonction de l'implantation, éventuellement enlever les impuretés, passer à un jeu d'aspirateur industriel. Mais voilà, c'est vraiment très limité comme entretien et c'est pour ça que ça peut être aussi un bon point à présenter aux collectivités. Et en termes de sécurité, on parlait de pluie tout à l'heure. Il est bien évident que s'il vient de pleuvoir, il est formellement déconseillé de pratiquer sur les dalles plastifiées parce que là, il y a un vrai problème de sécurité. Donc là, il faut être très vigilant simplement à utiliser les dalles bah, quand il fait beau et pas quand il pleut, évidemment. Petite précision, je ne sais plus si on en a parlé, c'est que
Et c'est aussi la différence entre la pratique prônée par la FEBAD et celle de la BWF, c'est que dans le sable, vous comprendrez que c'est un peu compliqué. Par contre, sur les dalles, la pratique en fauteuil peut être beaucoup plus facile, évidemment. Et c'est quand même une grande force aussi d'avoir cette possibilité et peut être un argument là, pour ceux qui nous écoutent d'aller vers des dalles éventuellement pour que les personnes aussi handicapées puissent jouer comme tout le monde, comme dans un gymnase. Donc voilà, ça peut être aussi une possibilité offerte d'inclusion. Alors, sur la réponse, on peut accéder à la présentation de Louis. Il n'y a pas de problème, ça sera à disposition de ceux qui le souhaitent, hein, au contraire. Et puis, pour faire la promotion du Airbad en septembre en terrain herbeux, deux cas de figure, soit vous faites une demande à la fédération pour des actions de promotion telles que Louis l'a définie tout à l'heure, et puis la fédération vous dotera d'un kit gazon. Je vois une question là, Pascal, d'Alexis Schmitt qui dit pourquoi ne pas développer un terrain qui peut se monter et se démonter facilement. Ça existe plus ou moins déjà, il me semble, avec le pour le l'herbe ou voilà pour le kit gazon aujourd'hui. Voilà, ça va être vraiment la solution. Après, c'est fastidieux de mettre les lignes vraiment pile droite pour l'avoir testé l'an dernier, mais bon après ça se fait. Il y a toujours l'éternel problème du support, c'est-à-dire quand on dit qu'il faut que ce soit un support qui se démonte. Il faut penser que nécessairement il y a un problème de sécurité. Alors on s'est rapproché des city parks et des city stades pour justement que le Airbad puisse intégrer les cities, hein. Louis a fait des demandes vis-à-vis de ses sociétés, donc ça c'est une chose. Mais après sur des supports qui pourraient être déployés redémonter ou remonter le soir après, ça reste compliqué parce que c'est volumineux, etc., etc. Et donc, on y réfléchit. Là, j'ai deux, trois pistes sur lesquelles il faut que j'aille pour avoir justement des solutions pérennes qui seraient faciles à monter et à démonter. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et voilà, donc on y travaille, rassurez-vous. Et puis, dernier point. Il y a un autre fabricant qui travaille également sur des poteaux et filets qui pourraient être installés sur tout type de surface. Donc ça va arriver aussi dans les semaines et les mois qui viennent, ce qui va amener de la concurrence aussi entre les sociétés qui commercialisent le matériel. Et c'est une bonne chose parce qu'évidemment, ça va faire tomber les prix nécessairement et puis rendre peut-être du matériel plus adapté aux différentes pratiques. Il reste, ça a l'air de fonctionner pour moi. Alors vas-y. Il reste quelques questions. On peut encore répondre à une ou deux questions peut-être avant de clôturer. Peut-on envisager la création d'un club uniquement air badminton? Si oui, quelles conditions seraient-elles? Les conditions seraient-elles les mêmes? Dans l'immédiat, je vais répondre parce que c'est quand même pas une question facile. Dans l'immédiat, on a quand même des statuts et des statuts pour du badminton. Du badminton en intérieur, nous sommes bien d'accord, comme sport olympique, je le précise. Donc, jusqu'à ce jour, les statuts partent sur cette base et pas sur une autre base. Donc, d'ici quelques années peut-être, mais dans l'immédiat, ce n'est pas encore le cas. Non, par contre, je pense que sur la partie Airbad, là, je pense que ça peut être intéressant sur une zone qui n'aurait pas d'équipement couvert d'avoir une pratique, par exemple, l'été de Air Badminton et que ce soit une antenne d'un club existant. Et là, voilà, rattacher un club existant, je pense que ça, pourquoi pas, ça peut être dans une logique de maillage territorial, une piste éventuellement à tenter, selon moi. Ok, donc a priori, il n'y a plus de questions qui arrivent. Donc, on va peut-être conclure là-dessus. On a occupé le temps à partie de toute façon. Donc, il nous reste à remercier Cédric, Louis et Pascal pour avoir assuré la continuité lors du petit bug technique que nous avons rencontré. Hein, merci à vous. Donc, je vous rappelle que les supports qui vous ont été présentés vous seront envoyés
à tous les participants de la soirée. Et le replay, sous réserve que les bugs techniques n'aient pas trop perturbé l'enregistrement, sera accessible en même temps. On vous enverra un lien pour pouvoir revoir et re-revoir, si vous souhaitez, le webinaire. Si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire qui viendrait, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Louis au niveau de la fédération en ce qui concerne le RBAD au niveau national. Si c'est des questions plus en lien avec le territoire de la Ligue Centre-Val-de-Loire, ben Cédric sera l'interlocuteur privilégié. En tout cas, on vous enverra vers les personnes qui seront susceptibles de vous répondre. Donc, merci à tous et rendez-vous pour un prochain webinaire, a priori sur le para-badminton dans les semaines à venir. Merci et bonne soirée à tous. Merci Vincent. Merci Vincent. Merci. Merci Merci à tout le monde. Cédric. Merci Merci Louis. beaucoup. Bonne soirée.